Eh bien, salut tout le monde, ici Doalex, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 3, sans doute la dernière, donc l'épisode 13. Peut-être la dernière, j'en suis pas sûr. Mais on va voir. Donc, à mon avis, on était rendu pas mal proche de la fin. Et donc, il se peut que ce soit le dernier ou l'avant-dernier épisode. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retourner sur Assassin's Creed 3. Surtout que ça fait vraiment pas longtemps que j'y ai joué. Donc, j'y joue au début de la semaine et là, j'y joue là. Et je vais publier la vidéo cette nuit. Donc, ça va être très rapide pour vous. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. J'ai commencé l'école et tout. Je pense que j'en avais déjà parlé. Il y a deux vidéos de cela sur Assassin's Creed. Mais bon, je sais que les gens ont sûrement pas écouté toute la vidéo parce que c'est plutôt long. Et là, il faut que j'aille à cet endroit-là. Ce qui n'est vraiment pas loin. Et totalement génial. Inconscient. Avec toujours le petit Connor. Qui va là? Je sais, c'est donc. Donc, on était rendu plutôt loin dans le jeu. Dans la vraie vie, on avait sauvé notre père. On avait fait pas mal de trucs. Ben, la vraie vie, je veux dire. En dehors de l'animus. Donc, on avait sauvé notre père. On avait récolté le dernier artefact. Il nous manque que la clé. Et la clé, on la trouve. Donc, avec Connor. Donc, qui est censé nous mener à elle. Et ensuite, sûrement qu'il va y avoir une dernière séquence dans la vraie vie. Et là, c'est pas toi l'objectif, non? Est-ce que c'est toi? Non. La bataille de Chesapeake. Mais là, ok. Ah ouais, c'est lui l'objectif. Ah ok. Lancer. Éviter le navire loyaliste pour forcer le blocus et accéder à la baie. Voulez-vous lancer cette mission navale? Préparez l'équipage, monsieur Faulkner. Direction la baie de Chesapeake. Pas de réponse. Non. Le gars, je pense pas un oui, je crois. Baie de Chesapeake. 5 septembre 19... Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Permettez-moi d'en douter, mais je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. Bien entendu, chef. On va aller les couler, ces enfoirés. Holy shit, my friend. Les... Non. Ralentir, Amima! Toute la pelure! Arme de Neptune! À croire que l'enfer a pris la mer! Combien peuvent-ils être? Beaucoup trop. What the... Si un navire peut leur tenir tête, c'est là qu'il a. J'espère que l'amiral reviendra vite. L'ennemi approche! Oh, wow, let's go! Un bon le débrouillard! On dirait qu'ils viennent nous saluer! Tenez-vous prêts! Oui, capitaine! Alors, aimez! Donnez-moi toute la parole, les gars! Nique ta mère! Attends, lui va avoir vraiment mal, genre, maintenant. Allez, tirez! Parce que là, c'est moi qui vais avoir mal. Il m'a foiré. C'est totalement trop génial. J'ai pas touché lui le petit con. Allez petit chien.
J'explose la tronche. Allez. Carré, salut. Ok. Prêt à tirer, à vous dégage. Amis morts, déployez-vous. Oh, ça sent pas mal. J'espère que t'as ressenti cette douleur. Out, out, out. C'est pas facile à faire. Ow. Nickel. On attend votre arme. Il faut ralentir, Amima. À l'arrêt. Quoi, Amima? Il l'a senti, à mon avis. You know, the big. The big Marathon. Oh yeah, il a détruit la flotte. Il vient de couler un de nos amis. Si c'était... Il va sombrer. On a perdu un poignet. Attention. Appliquez-vous. Il abuse. Je veux toute la toile. Toile à vivre. Mais j'ouvrirai mon debout, capitaine. À l'avant. Attendez, je veux réduire. Voile à vivre. Déployez la vivre. Pas sérieux. Allez, tirez. À la brûlette. On a dit, on le vent, changez de cap. La toile. Allez. This is Sparta. Alors les éclats toutes là. Putain les gars. Tirez une portée. Je veux réduire. Je veux toute la toile. C'est quoi? Tirez. Fais chier.
tirer une portée. Détruis les renforts, ouais. Ouais, ha eu. Oh yeah. Putain. C'est la guerre. Je vois quelque chose. Est-ce que... Option, où est-il? Option. Ah, option. Général. Musique. Il faut le mettre plus fort, hein. C'est l'ambiance. Navire perdu! Notre escorte a sombré! Ouvre la serrure! On les a perdus. Random, ça. C'est pas cool. Mon Dieu! Mais où sont nos renforts? Ils vont venir. Nous devons tenir la baie jusqu'au bout. C'est de la folie! Vous êtes seuls et nous n'avons aucun renfort! Nous devons tenir la baie. Coute. Oh là-bas, what the fuck? C'est la guerre. Ouais. Attention, capitaine. C'est au bas bord. C'est au bas bord, capitaine. Manoir. Seigneur, les manoirs. Manoir. Attention, sir. On peut nous défendre. Redoublons de prudence ou ce monstre va nous couler. Il ne compte pas vraiment les aborder, pas vrai? Il a perdu la tête. Il va tous nous faire tuer. Le navire est à bord, monsieur Faulkner. Là, tu me parles d'un assassin. Hello, my friend. Il est là-bas. C'est quoi le problème, hein? Fuck. Oh, c'est pas ça comme ça. Get down. Ça lui a monté, mon gars. Oh ouais. Il m'a mis de gauche. Droit. Fucker. Oh, la poudre qui est... On est quand même un petit peu plus.
incroyable, mais vrai. Espèce de fou furieux. Ouais. C'est ce que j'appelle cool, là. J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Lafayette n'avait donc pas surestimé vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Quels sont-ils ? 5 navires doivent entrer dans le port de New York, sous pavillon en paix. Mais attendez, je pensais qu'il fallait éliminer des pirates ou transporter des marchandises. Mais vous nous demandez, quoi donc ? De bombarder New York ? Non. Bien sûr que non. Ah ! Une partie seulement. Expliquez-vous. Je dois infiltrer Fort George, mais l'endroit est trop bien gardé. Vos boulets de canon briseront ses murs et chasseront ses gardes. Et un navire sous pavillon français ne pourrait en approcher. Vous avez compris? Pas du tout. Mais une promesse est une promesse, même si elle a été offerte à un démon. J'allumerai un feu pour vous indiquer quand attaquer. Vous avez entendu? Récupérez leur pavillon que nous les hissions. Allez, vite! Allez, vite! Allez nager avec les requins! Très drôle! Vraiment très drôle! Bon, ben... on a réussi. Mais on n'a eu aucun objectif, comme à l'habitude. Et mon cher Connor, tu as fière allure dans cet habit. Bonjour Connor, content de te revoir. Tout est bien en place ? Oui, Lafayette t'attend dans le tunnel qui court sous la ville. C'est bien d'être autour sur Terre. Les forces en bateau, c'est pas les mêmes forces d'Assassin's Creed. On doit se dépêcher de distribuer ses couvertures. Ça nous débarque. Tu cherches quel... Donne la chance de t'en faire, toi. Comment? Est-ce que la chance de... Jamais. La licence est meilleure. And it's storm. Voilà. Plus de rougeole. Ok. Faut j'aille là-bas. Attendez. Placement rapide. C'est pas? Non. C'est génial. On va y aller à pied. Je pense pas trop loin. Hello, c'est les English. Nous autres, on veut juste tuer Charles Lee. Quel nom. Ok, est-ce qu'on était supposé pouvoir grimper dans les arbres? Ça a bien l'air qu'il n'y a pas aujourd'hui. Hey, j'aimerais ça, courir sur les murs. Ben, grimper, s'il vous plaît. Ah! Finalement, c'était pas trop compliqué. C'est vous qu'ils envoient ? Où étiez-vous passé ? Peu importe. Je sais qui sont les traîtres. Ils ont des listes de... Bon, bah les couilles.
J'aimais mieux cette engine là pour les jeux Assassin's Creed, mais ça c'était beaucoup plus fluide. Plus beau aussi. Peut-être mon style. Ok, le tunnel juste ici. Ok. On est prêt. Ok. What happened? Est-ce que personne n'a compris à mon avis? C'est pas supposé être continuité. Ok. À mon avis, ça continue plus haut. Quelque chose du genre. Et où cela mène-t-il? Je crois qu'on est sur la bonne voie. Ah ah! Old Dutch Church. Quel est cet endroit? La voix. Hein? Hein? Ok. Ah, c'est une sortie. C'est une sortie. Vous avouez, les passages dans les tunnels, ils sont chiants. Oui, je voyage dans les souterrains. Ok. Ici, il y a de quoi? Ouais. On s'en bat les couilles, ça va être mort. Excusez-moi, je me garde le nez. Hop, excusez-moi. Tac, tac. Je suis là. Ça, c'est quoi? Mission scénario. Ok. Je suis là. Ça a bien l'air qu'il faut venir sinon pas. Les gars sont encore là. Bien sûr. On lui dirait qu'on a trouvé ça. Ah, ça c'est sûr. On n'a plus qu'à retrouver notre chemin. Qui est cette The end, ok. On n'en parle plus. Ça, c'est petit qu'il faille aller maintenant. Ceci n'a aucun rapport. Et ce que je veux, c'est aller de là-bas. Ok, je n'avais pas d'écoute. Non, c'est un mur qui n'a pas rapport. On va aller par là. Donc c'est ici que je n'étais pas encore allé. Et c'était juste là. GG, d'où Alex. On va revenir dans quelques temps. Cela dépendra grandement de celui qui les dirige.
Un homme d'extraction humble qui a dû travailler pour vivre. Bonjour. Voilà, les tympans. Regardez ce que j'ai pour vous. Voici. Connor. Ce souterrain vous mènera au district militaire. Et l'amiral ? Il attend que vous allumiez le signal. Ensuite, il attaquera. Et nous serons là, nous aussi. I don't fucking care. Okay. I don't care. Sans faire. J'ai bien ici. Vous avez le choix, le tuer ou l'évanouir. C'est mieux comme ça. On va essayer de pas se faire repérer. C'est pas des ennemis avant. Secrète. Plus simple. Oh, on peut la voir. On attend pour la première fois d'Assassin's Creed 3 réussir tous les objectifs. 50 secondes. Oh, c'est calme. Oh, que si, les amis. Oh. Or the hole. Ah non, mais c'est pas contre, c'est intelligent. Je dois entrer dans le port. What happened? C'est ou quoi? Il vient de port. Je ne suis pas en état de me battre. Je dois rester à l'écart des gardes. Merci de me le dire, mais si tu veux tuer Charles Lee, t'es pas plus en état de battre. Où es-tu, Charles? Parti. Sérieusement mégalé, Connor. Après ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a encore tant à apprendre. Où est Lee? En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Le
Now it's time to affronter the daddy. Tu agis comme si tu avais le droit de juger. De décréter que moi et les miens sommes nuisibles. Et pourtant, tout ce que je t'ai révélé, ce que j'ai fait et dit, devrait clairement te démontrer le contraire. Nous n'avons pas fait souffrir ton peuple. Nous n'avons pas soutenu la couronne. Nous avons ta gueule. Toi, et je te laisserai la vie. De belles paroles pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas. Même lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde. Quel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais. Quand je faisais X sur ma manette de PS3. Lol. Survivront à jamais mon cul. Wesh. Ne t'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas. Je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. On a Giwa here, Agami. On a un problème. Etam n'est plus en possession de l'amulette. Pourtant, le temple envoie toujours des données. L'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le dernier combat de Lee. C'est Lee qui l'a. Oh yeah, les trois objectifs, motherfucker. Souvenez synchronisé, séquence 11 terminée. La séquence 12 est donc la dernière. Et oui, j'avais dit, dernier épisode aujourd'hui. Le boss, Lee. C'est rose. Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Et moi, je me suis rasé. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui, plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles Yee. Mais où est-il? Là est la question. Séquence 12, New York, 1782. Je reconnais bien la fin de Assassin's Creed. Les plans séquences longs. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en souvenir d'un visionnaire. Qui voulait changer le monde. Et qui est parvenu. Regardez autour de vous. Les Britanniques s'apprêtent à repartir. Leur esprit brisé. Leur force défaite. Et le gouvernement des Patriotes connaîtra bientôt le même sort. Il nous servira.
Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à Fort George. Il pensait que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courait aucun risque. Il se trompait. Je vais te tuer, Connor. J'en fais le serment. Ouais, je suis sûr. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Non. D'abord, je vais détruire ce qui t'est cher. Je vais réduire ton domaine en cendres et jeter les têtes décapitées de tes précieux pères fondateurs dans ces flammes. Et quand j'en aurai fini avec eux, j'incendierai tout le reste. Ta joyeuse bande d'assassins, les misérables qui vivent sur tes terres, ton village et ton peuple, tous disparaîtront. Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Il attendra. Et il observera. Et lorsque j'aurai détruit l'œuvre de toute sa vie, alors je lui donnerai la permission de mourir. Emmenez-le. Qu'est-ce ça qu'on les bute derrière? Je ne m'en lasse pas. J'espère que tu étais content. Je prends que le bras. Il y a eu bug. Oh, le genou cassé. Où est parti Charles Lee? Au port. Il doit prendre un bac. Bon ben, let's go au port. On est rendu en god mode ou quoi? Je peux sauter des toits. C'est genre la blague. Ta gueule. C'est quoi ce bateau-là? Genre une ville sur un bateau. Le bonhomme est faible.
Magan. On s'est filtré par l'avant, à mon avis. C'est bizarre hein, comme maison. Attention, zone non autorisée. Tu m'étonnes. Cela n'a pas fonctionné. Peut-être si. Ok, mais putain. Fuck you. Fuck you. Ah ah. Tout était. Prévu. Arrête-toi! Reviens! Fuck off. Ta gueule. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as... Oh. C'est son déplacement qui m'a fait. Qui a fait qu'il m'a perdu. Je suis mardou. Ils vont me voir. Bon, faut qu'il t'attarde de m'attendre. Mais c'est pas grave, on aime ça les attendre. Par contre, toi, tu me gênes vraiment. Je peux te repérer. Il est mort. Je déteste ça quand ça fait ça. Je pense que ces hommes correspondent à vos critères. Vous vous trompez, ils sont faibles et souffrants. Nous voulons bâtir une armée, pas un hospice. Il faudrait des mois pour les rendre aptes au combat. Nous n'avons pas le temps. Non, par pitié, nous ferons tout ce que vous voudrez, tout. Ne nous laissez pas moisir ici. Silence, chien. Vos marchandises sont inutilisables. Peut-être que nous devrions en parler dans ma cabine. Voilà, allez, reviens ici, bats-toi comme un homme. Halt. Allez. Bon ben adieu. Ça va aller vite. C'est ce qu'on dit. Oh, ben, eh oui, je voulais me passer. Ça va être là que j'ai pas le droit. Hein? Que je n'ai pas le droit. Oh fuck. Hey.
Navré de vous avoir déçu. Vous pouvez l'être, quand je pense qu'on a fait tout ce chemin pour rien. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous jeter à la mer. Inutile d'en venir là. Laissez-moi un peu de temps. Je fouillerai les autres bateaux, au besoin. Je suis sûr que certains prisonniers vous seront utiles. Très bien. Vous avez 2 jours. Merci. Présentez-vous à la taverne du Green Dragon à Boston avec vos recrues. Nous vous retrouverons là-bas avec notre maître. J'allais te suivre avant de m'échapper. Arrête-toi! Hello. Reviens, bon à rien! Tu crois aller où comme ça? On devant toutes les tuiles. Salut. Ok. C'est bizarre ça. Là, l'objectif, elle est où? Il est là. Ah, bon, tiens. Je présume que... Ouais. C'est où à Boston, Cool Jack? C'est la frontière. Scotch Plain. Hello. Mais non, je voudrais me rendre à la frontière. You baddest, 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 baddest. Donc, on y arrive juste à côté. C'est pas le fameux bar genre du début. Ouais.
besoin de quelque chose, Trésor? Non. Gouja. Je peux vous aider? Oui, tu le peux. Pardon? Je n'aime pas perdre mon temps. Arrêtez! Ne m'obligez pas à appeler les gardes! Au moindre cri, je te tue. Qu'est-ce que vous voulez? Il est au port, sur la longue jetée probablement. On a appris ce qui s'était passé au défilé. Charles est devenu nerveux. Il pense quitter le pays. Je trouvais qu'il s'affolait un peu. Apparemment pas. Merci. C'était Viola. Trouver le lit près du port. Ah, puis tout d'un coup, il y a de la brume, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je dis qu'on se bat à la lame secrète. L'arme des assassins, depuis toujours. Ça va être totalement génial. Wow, vous avez vu les skills? Pas tant niaiser, là. Bon oeil. Bon, déjà, on va regarder. Donc, lui, il serait là. On va passer par les voies maritimes, lol. Quasiment sûr qu'il est là-dedans. Mais il ne l'est pas. Je peux vous dire qu'il n'est pas présent sur ce bateau. Je suis votre fidèle servant. Ils font quoi? C'est ta dernière heure. Ma chère, mon bel espion. Le poisson le plus frais de la ville. Et donc partout frais. Oh, le petit fuyard. Alors, l'ami. Comme ça fait. Pourquoi à ce moment-ci du jeu, je tombe à fucking 48 FPS? Hein, 45. Pardon.
J'ai déjà monté en haut ici. Je connais le chemin. Oh, la différence, c'est que c'était pas en feu. Pas grave. C'est sûr que les gars. Ah, où je passe? Dans le chien? C'est pas sérieux. Moi, je voyais le trou à côté à droite. Puis je vais monter par là. Mais ben, là, c'était pas ça. Ok, tantôt, ça m'a pas touché. Mais... il passera pas ici. Bon, là. Leçon à ces jacteurs. Allez, je vais le signer. Ouais. Vous ne pouvez pas entrer. Il m'a attendu. Oh. C'est tellement épique. Nous nous relevons. Tu ruines un plan, nous en montons un autre. Tu t'acharnes, mais le résultat est le même. Ceux qui te connaissent te prennent pour un fou, au point que... ceux que tu as cherché à sauver te tournent désormais le dos. Pourtant tu te bats, tu résistes. Pourquoi ? Personne d'autre ne le fera. Hein, vieille chienne? J'ai mal. Ouais, c'est assez de t'enfermer. Ouais, cool, Forest. Oh, moi aussi, je suis blessé, c'est vrai. Hein? Parce que je fais juste ça dans la vie, moi, être blessé. Putain. C'est vrai qu'on va le retrouver 10 mètres plus loin, mort. Emprunter les marches. Bon, petite princesse, on va le faire. La nuit a été dure, on dirait. Il est parti dans les terres. Sur un bac remontant la rivière Charles. Il faut que je le suive. Bien sûr. À votre service. T'es qui, toi? Retrouvez-les. Ah, et contrairement à l'autre objectif, ben là, j'ai pas tout eu. Hein. Parce que je suis vraiment une grosse merde. Et c'est dommage d'être une grosse merde. Eh, j'ai jamais remarqué, ça fait des espèces de d'effets, attends. Des petits pas. Fort mon moute découvert. C'est bien.
Non, de me regarde. Ouais, ça va pas à la tête, là. Attaquer le convoi, ben oui, hein, on va faire ça. C'est pas vrai. On est sous. Ouvrir la porte. C'est une grosse discussion, hein, quand même. Charles Lee, le connard du 17e siècle, est mort. Cool. On a enfin tué Charles Lee. Kanata-Zeton, 6 mois plus tard. Remis de ses blessures, il s'entraîne toujours aussi fort. N'a perdu même pas un petit gramme de pipes. Non, il est encore blessé. Mais non, toujours autant entraîné, ce gars-là. Qu'est-ce que c'est? La pomme. Pourquoi ont-ils laissé ça ici? Les gens ont quitté notre village. Nous attendions depuis longtemps ton retour. Tu as fait ce que nous demandions. Tu as réussi. Non, j'ai échoué. Mon peuple est parti. Chassé par ceux qui étaient censés les protéger. C'est un échange. Un sacrifice. Il n'est pas vain. Car tu l'as trouvé. Ceci ? Tu vas devoir la cacher. Place-la où personne n'ira la chercher, et le moment venu, plus tard, ce qui fut, sera, de nouveau. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton rôle, car tu dois nous obéir. Ensuite, tu pourras vivre ta vie. Qu'adviendra-t-il de mon peuple? Tu as sauvé cet endroit. C'était la finalité de ton peuple. Et c'est tout ce qui compte. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. Tu recherches une chose qui n'existe pas. Mais tu as joué un rôle décisif. Et tu le feras de nouveau. Rappelle-toi, tu dois cacher l'amulette là où personne ne la trouvera. Alors cachons-la, les amis. What happened? C'était pas la bonne. Ok, c'était fucky.
Mais où va-t-il la cacher? Puis où Achille? Peut-être lui, comment Davenport. Pas vécu longtemps, hein? Pas 10 ans. Maintenant, nous savons où il est. Séquence 12, terminée. The sum of the truth. Action réussie, plus tard, la somme de la vérité. Oh, quelle belle image de fond. Mais ce n'est pas fini. Je sais où est la clé. Je sais où est la clé. Alors allons-y. Bien dit, père. Achille. Non, Achille, il est mort. Ok, ouais, je comprends. Je crois que ça y est. On est tous avec toi. Allez, les amis, on se presse. On veut découvrir. Qu'y a-t-il derrière ce pont? L'instant de vérité. Oh, il l'arrache. On y va. Oui. Viens. Qu'est-ce qu'il faut se passer? Tu es là. Enfin. Tu connais désormais notre histoire, nos tentatives et nos échecs, tous nos espoirs évanouis. Sauf un, ton toucher, une étincelle qui doit sauver le monde. Attends. Ne touche pas à ce piédestal. Minerve. Toi? Mais comment? Tu es parti. Tu as détruit l'appareil. Tu croyais qu'il n'y en avait qu'un. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne dois pas la libérer. La libérer? Junon réside dans ces murs, attendant qu'on la libère. Laisse-moi te montrer. Pendant que nous tentions de sauver le monde, elle cherchait à le conquérir. Elle a utilisé nos machines pour servir ses projets. La divination par les nôtres. L'existence répond à un schéma.
comprendre les calculs revient à maîtriser le temps. C'était mon projet. Et j'ai fabriqué l'œil pour nous y aider. Mais elle l'a perverti pour obéir à ses desseins. Quand sa traîtrise nous est apparue, nous y avons mis fin et nous sommes partis. Mais pas avant de t'appeler pour que tu essayes à ton tour. Sans elle, nous pensions le danger écarté. Je vois que nous avons été dupés. Elle a survécu. Elle a perduré. Et elle s'est mise au travail. Pendant des siècles, Tinia et moi avons arpenté le monde afin de rallumer le feu de la civilisation, pour partager notre savoir le mieux possible. Nous n'avons pas été les seuls. Mais malgré tout notre pouvoir, la mort a eu raison de nous. Avant de disparaître, j'ai jeté un dernier regard pour voir si nous avions réussi. Pour pouvoir être ici avec nous ? J'espérais que tu trouverais ce temple et achèverais notre œuvre. Mais il est trop tard. Les Templiers et les Assassins se sont disputés nos déchets. Vous avez perdu des siècles. Vous avez laissé passer votre chance. Tu ne peux plus empêcher la fin de ce monde. Seulement il survit. Elle ment ! Il te suffit de toucher le socle et le monde sera sauvé. Mieux vaut brûler le monde que l'offrir en pâture à Junon. Ah oui, vraiment. Montre-lui alors. Mais il ne comprendra pas. C'est compliqué, c'est... Montre-moi. Montre-moi, Pedro. Tu obéis à Minerve. Le soleil frappera la terre. Le sol se fendra pour cracher du feu dans le ciel. Et la terre se consumera. Ce ne sera pas la fin du monde, mais le début de sa déchéance. Les ténèbres suivront. Et tu sortiras. Résolu à poser les fondations qui éviteront qu'une telle tragédie frappe de nouveau notre terre. Tu deviendras un symbole pour les survivants. Espoir, savoir, détermination. Tu les inciteras à rebâtir, à prospérer de nouveau. Et à mesure que le monde guérira, l'humanité progressera. Mais tu n'es qu'un homme, fragile et mortel. Tu quitteras le monde et n'y laisseras qu'un simple souvenir, un héritage. On se souviendra de toi comme d'un héros, puis tu seras une légende, et bien plus tard, un dieu. C'est le sort le plus cruel, avoir écrit des mots pleins de bonté, et les voir manipulés et pervertis. Ce qui cherchait à encourager la vie devient soudain un prétexte pour l'ôter. Et tu découvres aujourd'hui que votre histoire se répète sans fin. Alors dis-moi, est-ce bien ce que tu veux ? Est-ce qu'on veut... Elle te sacrifierait. Elle sacrifierait le monde. Dans le seul but de me priver de ma vengeance. Ils vont asservir les tiens de ce monde. N'est-ce pas pour cela que tu te bats ? Pour cela que tu es venu ici. Pour davantage que la simple survie de ton espèce, mais pour sa liberté. Quel avenir ? Quelle liberté ? Des milliards de morts et le cycle qui recommence ? Ce monde n'a connu que le chagrin et l'horreur depuis notre départ. Ce monde est notre cadeau, et tu voudrais le leur reprendre. Assez ! Tu ne dois pas faire ça. Quoi que prépare Junon, aussi terrible que cela puisse paraître, nous trouverons comment l'empêcher. L'autre solution, la tienne, nous prive de tout espoir. Si tu la libères, tu seras détruit. Ça ne prendra qu'un instant. Tu ne souffriras pas. Ne fais pas ça. C'est fait, Minerve. La décision est prise. Alors, c'est avec les conséquences de ton erreur que tu devras vivre et mourir. Allez-vous-en. Partez tous, maintenant. Éloignez-vous d'ici le plus possible. Viens avec nous. On trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps. Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé. Je dois le faire, maintenant. Partez. Allez ! Oh yeah. Sprit!
Jupiter. Personne n'a jamais vu un tel spectacle. Témoins ont décrit des tempêtes électriques et des phénomènes météorologiques aléatoires. Habitants de rester à l'intérieur et d'attendre. Les relevés géologiques indiquent une activité sismique sur l'ensemble de la ceinture de feu. Le nord-est du Canada connaît le plus vaste off de l'histoire. Satellites et transformateurs tombent en panne alors que l'éruption gagne en intensité. Des coupures électriques dans le monde entier semblent s'estomper. On rapporte une activité sismique et volcanique résiduelle. Mais rien de comparable au paroxysme. Il faudra du temps pour que les experts évaluent l'ensemble des dégâts causés par la catastrophe d'aujourd'hui. Mais il semble que le pire soit derrière nous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. C'est terminé. Le monde est sauvé. Tu as fait tenir ton rôle, Desmond. Et maintenant, c'est à moi de jouer le mien. Oh, petite chienne, hein? Donc, nous avons terminé Assassin's Creed 3. C'était un long let's play. Mais c'était un très bon let's play. J'ai adoré jouer dans Ubisoft Montréal. C'est à Montréal. C'est ce jeu a été conçu à 30 minutes de ma maison. Putain. Même pas 15 minutes. 15 minutes de tour de ma maison. Imaginez. C'est cool, hein? 15 minutes de chez moi, t'as ce jeu qui a été conçu de toutes pièces. C'est tellement génial quand on y pense. Tous les jeux d'Ubisoft quasiment sont faits à Montréal. Et c'est vraiment génial. Donc, Assassin's Creed, j'adore ça. Je vais essayer de vous en trouver un autre pour une prochaine fois. Peut-être dans quelques temps, je sais pas encore quand. Parce que je les ai pas mal tous faits. Lui, je l'avais pas fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mon ami m'avait puncher un peu la fin, vu que je m'en rappelais plus, ça fait très longtemps et que j'avais décidé de l'oublier. Et ben, voilà. Fait que j'ai décidé de faire ce let's play. J'espère que vous l'avez apprécié. Je sais que pas beaucoup de monde qui l'ont regardé. C'était pas un let's play populaire, mais il me tenait à cœur et donc j'avais envie de le faire et de le faire jusqu'au bout. Donc c'était l'intégrale d'Assassin's Creed 3. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime. C'était Doualex sur Assassin's Creed 3. Merci et bonne journée.